La chance aux chansons, la France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes. Alors nous lisons en toute saison, il faut donner la chance aux chansons. Il faut donner la chance aux chansons. Bonjour, il y a un mois, il chantait pour vous dans une émission consacrée aux mélodies 60-70. Il y a un mois, nous étions sûrs qu'il allait mieux, qu'il allait bien. Et puis non. Le chanteur populaire s'est tu il y a deux jours. J'ai donc pensé qu'il fallait arrêter le bal pour un après-midi. Nous danserons bien sûr plus tard. Mais je voulais qu'on le salue ici, nous tous, qu'il aime longtemps. Il était aimable et c'est pour ça que vous l'aimiez. Il était gentil et vous ne vous trompez pas sur les gentils. Que dire, qu'ajouter? Me voilà une fois de plus devant vous, saluant quelqu'un qui vient de nous quitter presque en chantant. C'est Jérôme, Claude. Mais c'était comme ça qu'il se faisait appeler lorsqu'il a commencé à chanter. Beaucoup parmi ceux d'entre vous qui m'écoutent, beaucoup de jeunes filles, notamment des années 70, ont gardé au cœur ces refrains tendres, ou charmants et bondissants. Une voix dans la chanson populaire. Un chanteur populaire que l'on chante en famille, quand on se retrouve, ou pour le mariage, ou le dimanche. Je l'ai croisé beaucoup sur toutes les scènes de France. Vous l'aimiez, nous aussi. Voilà. Il va chanter tout l'après-midi. Il est venu si souvent ici. J'ai pris quelques chansons, une douzaine, comme cela, très vite, pour que très vite, on pense un peu à lui. Un petit air d'accordéon, sous les ponts de Paris, il connaissait aussi les très anciennes chansons, Rage tendre et tête de bois, une chanson de Bécaud, quelques-uns de ses très grands succès aussi. Voilà. Chante, Claude. Dernier baiser à celui à qui vous en avez envoyé tant. Il aura vécu, j'allais dire, heureux, j'allais retenir le mot, mais oui, il a été content que vous l'aimiez. Il a été content de chanter. On le retrouvera au fil des semaines. Demain, les chansonniers, l'esprit de Paris viendra autour de ce plateau pour sourire avec un très beau plateau de chansonniers. On va écouter Jérôme qui se présentait. Jérôme, c'est moi, dans cette chanson si bien faite où il donnait son cœur entre les mots. C'était le 14 février, un mois et deux jours. Voilà, j'aurais mieux aimé ne pas faire cette émission aujourd'hui. Mais je suis content que vous ayez été là pour le saluer avec moi. Je vous embrasse. Tiens, bonjour, salut, dis-moi comment tu vas depuis le temps que l'on ne s'est pas vu. Crois-moi, je ne t'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là. Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Tiens, tu vois, regarde, tu vas être étonné, mais j'ai gardé en souvenir de toi une photo que tu m'avais donnée. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui
jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens comme si c'était hier. J'allais chez toi t'apporter du lilas. Dis, écoute ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écouté. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait.